Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez ou si vous nous voyez. Pour les premiers qui arriveront, je vous demanderai de bien vouloir faire un petit message pour nous dire si vous nous voyez et si vous nous entendez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Régis, Régissia. Bonjour Régis. Bonjour Catherine. Et je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Et en attendant que ceux qui voulaient voir en direct ce live nous rejoignent, je vais peut-être commencer par me présenter rapidement et présenter en vol et moi, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui viennent sur cette page pour la première fois. Moi, je suis Catherine Pie, je suis psychologue du travail, je suis ex-responsable ressources humaines où j'ai exercé pendant une vingtaine d'années et jusqu'à connaître un burn-out qui m'a conduit à changer de vie et à changer d'orientation professionnelle pour créer Envol et Moi, puisque Envol et Moi, a vocation à deux choses. La première, c'est d'informer, de sensibiliser le public, et notamment le public des entreprises, sur ce qu'est le burn-out, dépasser les préjugés pour en tout cas essayer de mieux l'éviter et puis mieux l'accompagner lorsqu'il se produit. Ça, c'est la première mission que je me suis donnée avec Envol et Moi. Et la deuxième, c'est d'accompagner les personnes qui sont en burn-out qui ont envie de changer de vie, de se réorienter professionnellement. Et donc, pour ça, je les accompagne en ligne pour définir un nouveau projet professionnel. Donc, voilà en quoi consiste Envol et Moi. Alors, je vois qu'il y a une personne, enfin, il y a plusieurs personnes là qui sont avec nous. Est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien? Hop, alors, je crois qu'il y a un petit délai entre Facebook et la plateforme sur laquelle on est, mais on va dire que, a priori, c'est bon. Et c'est une Belge. Bonjour Marie-Kef. Depuis quelques mois, sur Envol et Moi, j'essaye de vous proposer. Voilà, je n'avais pas éteint mon téléphone, excusez-moi. Ça, c'est pas bien. Depuis quelques mois, je disais, je vous propose des Facebook Live, soit pour des témoignages, comme aujourd'hui Régis. On avait eu Hélène Plantevin il y a quelques temps avec son livre que je vous recommande toujours. Et aujourd'hui, Régis, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, on s'est dit finalement, en échangeant un petit peu, qu'on avait pas mal de points communs, notamment le burn-out, ça c'est clair, mais aussi pas mal de points communs sur ce qu'on avait envie de diffuser, de partager et d'accompagner d'accompagner, d'aider les personnes qui étaient elles-mêmes concernées par ce burn-out. J'ai trouvé que c'était intéressant de l'entendre. De le laisser nous raconter un petit peu son vécu, son témoignage, et puis de voir aussi la façon dont lui peut nous conseiller par rapport à ce qu'il a vécu. Alors peut-être que Régis, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, Catherine. Donc voilà, mon prénom est Régis. J'ai 48 ans. Je suis papa de deux enfants en couple avec Catherine, ma compagne. Je suis informaticien de formation avec un parcours professionnel un petit peu atypique puisque j'ai été indépendant, patron de société pendant une vingtaine d'années, avec à la tête de trois sociétés en Belgique et deux sociétés au Maroc en tant que responsable recherche et développement. Et depuis 4 ans maintenant, je travaille comme informaticien indépendant freelance. Donc je vends mes services aux sociétés. Et voilà, une petite présentation bien faite d'un point de vue professionnel. Ouais, merci beaucoup. Alors, bien évidemment, vous pouvez poser des questions à Régis si vous le souhaitez. Moi, je jette un œil toujours sur les commentaires et puis je lui ferai part au fur et à mesure. Mais on a préparé quelques petites questions quand même en attendant les vôtres. Alors déjà, Régis, je trouve que ça serait très intéressant que tu puisses nous décrire un petit peu ta vie d'avant. Quel était ta vie, ton rythme avant ton premier burn-out? Quel était ton contexte
avant que ça se produise et comment ça s'est produit. Oui, donc comme tu l'as dit dans l'introduction, j'ai oublié de le dire dans ma présentation, effectivement, j'ai souffert de deux burn-out, j'ai été victime de deux burn-out en l'espace de 10 ans. Donc il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais ce qu'on appelle un workaholic. Alors un workaholic, c'est comme un alcoolique, mis à part que c'est pas une dépendance à l'alcool, c'est une dépendance au travail. Et donc voilà, moi je vivais exclusivement pour mon boulot, pour mes sociétés, pour mes activités. Ça m'apportait énormément de satisfaction, énormément de stimulation intellectuelle et une certaine satisfaction dans ce que je faisais. Et puis, ça m'apportait également pas mal de reconnaissance. Et on reviendra tout à l'heure sur le problème de la reconnaissance, entre la différence entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis, donc il y a une dizaine d'années, ben, je travaillais comme un fou. Je travaillais à raison de plus ou moins, ça dépendait les jours, mais je veux dire, entre 12 et 16 heures en moyenne, presque 7 jours sur 7. Je n'avais plus trop de vie de famille. Et puis là est arrivé en fait un événement un peu difficile dans la vie d'un entrepreneur. Puisque en fait j'ai perdu un contrat qui représentait 80% de mon chiffre d'affaires. Et pour un D'accord. entrepreneur, perdre un contrat qui représente 80% de son chiffre d'affaires, c'est un peu un drame. Donc voilà, et c'est là que les choses ont commencé à poser problème, parce que à ce moment-là, tout se précipite. Quand vous êtes patron d'entreprise, vous êtes en fait un capitaine à la tête d'un bateau et vous êtes responsable de votre équipage. Alors si vous coulez le bateau et vous coulez avec, c'est pas grave, mais si vous coulez les membres de l'équipage, ça peut avoir un impact un peu plus difficile. Et donc à partir de ce moment-là, mais non seulement pour moi-même, mais également pour mes employés, on a essayé de trouver des solutions, trouver d'autres marchés. Et c'est là en fait que l'engrenage s'est grippé en fait, puisque de 12 heures par jour, ben là je travaillais minimum 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Je ne voyais plus personne, je croisais la maman de mes enfants à l'époque, on n'avait plus de contact. Et puis les événements s'enchaînent. Et venu se cumuler à ça le décès de mon papa, avec lequel j'avais eu pas mal de difficultés de communication par le passé, toujours un problème de reconnaissance, on en reviendra tout à l'heure. Et puis, ben, à un certain moment, la maman de mes enfants, étant donné la charge de travail, mon peu de disponibilité pour la famille, a fait ce qu'elle devait faire après avoir essayé toutes les autres solutions, c'est-à-dire m'avoir quitté. Et donc, quelques mois après, je suis en route vers le bureau. Nous sommes au mois d'août. Et puis, j'arrive à un feu rouge. Et puis, le feu est rouge, il passe au vert, j'essaye de passer la première vitesse, ça ne passe pas. Le feu repasse au rouge, il repasse au vert, il repasse au rouge, il repasse au vert, deux, trois fois comme cela. Et puis, en fait, mon corps ne répondait plus à ma tête. Donc, voilà, c'est quelque chose que je ne souhaite évidemment à personne. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une dame qui s'est inquiétée de la raison pour laquelle je ne démarrais pas, et elle a pu m'accompagner jusqu'au bureau. C'était la déclaration de mon premier burn-out. Voilà, on va partir, on va laisser les émotions de côté, mais quand j'en parle, ça reste toujours quelque Ouais, chose ben oui, j'imagine. oui, Et très on voit. émotif, parce que c'était le point de non-retour, c'était la chute vertigineuse. Alors, on pourra parler tout à l'heure des signaux qui permettent de détecter le burn-out, etc. Et donc, voilà. Mais en tout cas, enfin, on voit bien l'engrenage, hein, en fait, dans lequel petit à petit, tu t'es pris. Déjà, effectivement, la responsabilité et l'engagement,
évident que peut avoir un chef d'entreprise pour son entreprise et surtout pour sauver bah, le travail de ses employés. Et puis voilà, petit à petit, les heures de travail qui deviennent de plus en plus importantes, le fait de se couper bah, de ses liens autour, famille, amis, etc., jusqu'à l'épuisement total où le corps ne répond plus. Donc ça, Exactement. c'est… Alors, ce que je souhaiterais mettre en évidence de par mon témoignage, parce que je participe depuis quelques mois à pas mal de groupes de discussion sur Facebook, notamment, et sur certains autres forums, et beaucoup de personnes mettent en exergue que le management et les patrons pourraient être la cause de burn-out. Alors, ma réponse à ça, elle est simple. Le burn-out atteint tout le monde. Le burn-out atteint les salariés, les ouvriers, les patrons, les managements, le cadre, etc. Et personne n'est à l'abri. C'est un ensemble de circonstances qui fait que nous nous précipitons dans cet engrenage. Et mon témoignage est important parce que je souhaite mettre en exergue que, en fait, quel que soit notre statut social, nous devons lutter pour la prévention, pour mieux faire connaître le burn-out et puis surtout pour essayer de diminuer ses impacts. Parce que les salariés ont encore un minimum de protection, même si je sais qu'en France, c'est plus difficilement reconnu qu'en Belgique. Mais de la part des indépendants, les similitudes de protection sociale sont très difficiles. Et donc, il est très difficile pour un indépendant qui tombe en burn-out, en fait, d'arrêter pour pouvoir se soigner, se reposer. Or, on sait que c'est une démarche indispensable, une étape indispensable. Et donc, nous sommes tous dans le même bateau, dans le même cas. Et il ne faut pas stigmatiser une classe sociale plutôt qu'une autre. Ça arrive à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Voilà. Il faut savoir que la pression pour un indépendant, c'est des pressions personnelles en termes d'investissement, en termes de remboursement. C'est de la pression par rapport à de la responsabilité au niveau du personnel. C'est de la pression par rapport aux banques. C'est de la pression par rapport aux fournisseurs. C'est de la pression par rapport aux clients. Bon, alors, de mon premier burn-out, la porte de mon bureau était, avant que je ne devienne un peu irritable et nettement moins empathique, on reviendra sur les symptômes. La porte de mon bureau, elle était ouverte en permanence et mon téléphone était très rarement en do not disturb. Je commençais mes journées très tôt et je m'occupais de toutes les personnes qui venaient me consulter jusqu'à 16h30. Puis quand les employés commençaient à partir ou que les clients ne téléphonaient plus, je commençais seulement ma journée avec À les tâches travailler. que j'avais réellement à faire. Donc, c'est aussi pour mettre ce point de vue en exergue que je témoigne et pour dire que nous ne devons pas faire de distinction, on doit tous lutter pour essayer d'endiguer cette épidémie qui devient catastrophique. Oui, je suis Voilà. tout à fait d'accord. Alors, tu as parlé à plusieurs reprises justement des signes avant-coureurs que peut-être bah, la première fois, en tout cas, tu n'as pas entendu, vu ou en tout cas regardé avec l'attention que ça aurait mérité. Quels sont justement ou quels étaient les signes avant-coureurs que tu n'as pas entendu à l'époque, que tu n'as pas vu? Alors, les signes avant-coureurs, ils sont multiples. Les signes avant-coureurs, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai toujours été quelqu'un de très motivé, un homme de défi, prêt à relever n'importe quel défi. Mais à un certain moment, quand il y a trop de défis, défi, tu te défies. Voilà. Et donc, les signes avant-coureurs, ils étaient les suivants, c'est que j'avais perdu ma joie de vivre, je n'étais plus du tout empathique, alors que c'était une de mes principales qualités. Je répondais de manière très ferme à mes employés, à mes clients, à mes fournisseurs. Ça, tout ça, c'est l'irritabilité qui devient insupportable parce que dès que vous êtes perturbé, ben, je vais le dire comme je le disais à l'époque, hein, arrête de me faire chier, d'accord? Donc voilà, c'est des mots que j'ai pu employer à certains moments.
mais on reste des êtres humains et on n'écoute pas en fait son corps. Moi, les signaux, ils venaient de mon corps. J'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes d'hypertension, voilà. Et puis, on veut toujours en faire de plus en plus. Alors, notre entourage nous informe et nous dit, tiens, Régis, tu ferais bien de lever le pied, tiens, tu n'irais pas faire un peu de sport ce week-end, tiens, tu couperais pas ton téléphone, etc. Et vous n'écoutez personne, en fait, parce que vous croyez plus fort que tout. Et Oui. ça, c'est une catastrophe, parce que je pense que... Dans le cas du burn-out, de la même manière que l'alcoolisme, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes entre le workaholic et l'alcoolique. L'entourage peut faire tout ce qu'il veut pour la personne qui souffre, mais la décision, elle doit venir de la personne elle-même. Oui. Et donc, pour ça, il y a un processus qui est relativement simple. La première chose, c'est un, l'entendre. Donc, en être conscient de son problème. La deuxième chose, c'est accepter son problème. Et la troisième chose, c'est passer à l'action. Voilà. Donc, moi, la maman de mes enfants, ben, avant de partir, elle m'a dit, Régis, tu vas faire un AVC. Régis, il va t'arriver un souci. Régis, attention. Et je n'écoutais rien ni personne. Et je fonçais tout droit dans le mur. Voilà, ça c'était les signes avant-coureurs. Alors, on a de plus en plus difficile quand on est dans cette situation-là. C'est un cercle vicieux. On délègue plus. On pense qu'on fait mieux les choses que les autres. Alors qu'en fait, on est tellement fatigué que la qualité de ce qu'on fait est moindre. Et on se croit indispensable. Et on prend de plus en plus. Et on prend de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Tout ça sont des signes avant-coureurs. Donc, il faut faire très attention. Et le signe le plus important, c'est écouter son corps. Donc, Oui. le corps est le révélateur de ce qui se passe dans notre tête. Et donc, moi, j'avais certaines sensibilités. Le burn-out, c'est en fait comme une batterie, si vous voulez, une batterie de GSM. Le niveau de la batterie il baisse, et puis il baisse, puis on recharge. Mais sur certains GSM, notamment sur les anciennes technologies, hein, peut-être qu'un jour on upgradera les humains aussi, lorsqu'on atteignait un seuil insuffisant de taux de recharge, on avait beau recharger la batterie se recharge plus. Eh bien, si on fait cette analogie avec le corps humain, c'est exactement la même chose. Un burn-out, c'est dépenser plus d'énergie que celle qu'on a. Et donc, tous les soirs, normalement, on va dormir, on récupère de l'énergie, puis le matin, on recommence. Notre niveau d'énergie baisse en fonction de notre niveau d'activité. Et puis, si on passe en dessous du seuil d'énergie minimum, ben après, il est excessivement difficile de pouvoir recharger la batterie. Voilà, ça, Ça met du temps. c'est le burn-out, ça met énormément de temps. Alors, heureusement, nous ne sommes pas des batteries, nous sommes des êtres humains. Et nous avons la capacité de nous régénérer, pas de nous recharger, de nous régénérer. Mais pour ça, il faut faire une prise de conscience et il faut pas faire semblant, il faut pas faire des actions pour dire, bah, tiens, ah ouais, j'ai fait quelque chose, je suis allé voir un médecin, ou oui, j'ai pris deux antidépresseurs et trois cachets, ou oui, non, ça c'est bien, ok, on le fait parce qu'on nous a dit de le faire. Mais sur le fond, est-ce que ça nous change, nous? Est-ce que nous, on est conscient qu'on est en train de casser quelque chose? Est-ce qu'on est conscient que si on continue comme ça, ben, on va droit dans le mur? Donc voilà, ça, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que Oui. on n'était que sur les signes avant-coureurs. Voilà. Oui. Mais c'est voilà, encore une fois, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, et d'ailleurs, c'était l'objet de mon dernier article, hein, effectivement. Mais c'est vrai que quand on est dans cet état-là, on a le sentiment que rien ne nous arrêtera. Et la seule personne, effectivement, qui est capable de nous arrêter, c'est nous-mêmes. Donc ça part effectivement déjà d'une prise de conscience.
Alors, je voyais quelques réactions de Sébastien qui dit qu'il nous écoute avec une grande attention, qu'il est en burn-out depuis 2 ans. Jessly, qui parle de signes avant-coureurs qui sont les tremblements, les sueurs nocturnes, effectivement sans doute plus de joie de vivre et de l'enfermement, et puis un manque de Exactement. confiance en soi. Atroce. Voilà. Manque de confiance en soi, effectivement, les signes, le manque de sommeil, évidemment, hein, ça c'est quelque chose qui est catastrophique. On est épuisé, on a besoin de sommeil, mais on dort de moins en moins. C'est une catastrophe. Je fais un petit coucou à Sébastien parce que nous partageons certains groupes de discussion ensemble. Donc voilà. Bonjour également à Françoise et puis bonjour Cécile. J'en profite pour dire bonjour aux proches et aux amis que je côtoie de temps en temps. Merci d'être là et merci de l'intérêt que vous portez au sujet. N'hésitez pas à partager l'information. Voilà. On a parlé donc de ton premier burn-out, de la façon de ton rythme de vie avant tout ça et comment c'est arrivé, quels étaient les signes un peu avant-coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé donc à la suite de ce premier burn-out? Comment tu as évolué après ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a trois étapes. Donc, la première étape, c'est être conscient. La deuxième étape, c'est l'acceptation. La troisième étape, c'est l'action. Donc, après mon premier burn-out, forcément, je suis arrivé au bureau et là, j'ai dû prendre une décision. Donc, mon ex-associé m'a donné un petit coup de main. Il m'a fait rencontrer une personne qui souffrait du burn-out il y a 10 ans. On en parlait encore très peu. Et puis, quand j'ai rencontré cette personne-là, je me suis dit, ben oui, c'est moi. J'ai eu la chance d'avoir un contact direct avec un psychiatre. Et d'être pris directement en charge par ce psychiatre que je salue au passage, qui est le docteur Mesters, qui est la référence en termes de burn-out en Belgique, qui m'a soigné, enfin qui m'a suivi, qui a mis en place une équipe multidisciplinaire avec des psychologues et des coachs, voilà, pour récupérer un peu d'énergie et recharger ses batteries. Alors, la problématique, comment j'en suis arrivé à avoir un deuxième burn-out tout en ayant été soigné par de très bonnes personnes, tout en m'étant documenté sur la chose, parce que quand j'ai récupéré un peu de force et de concentration, ben, j'ai lu pas mal d'ouvrages sur le burn-out. Et mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Tout simplement parce que c'est paradoxal, hein, mais le burn-out est quelque chose qui ne se guérit pas de manière aussi simple qu'une angine Ouais, il suffit pas de ou qu'une prendre grippe le bon ou qu'une traitement et puis c'est grippe. parti, quoi. Voilà. Donc, moi, je pensais qu'après 3 mois d'arrêt, éventuellement un petit changement de cadre, etc., ça allait changer ma vie, que voilà, j'allais être reparti. En fait, le burn-out, pour sortir d'un burn-out, c'est très linéaire. Ce n'est pas linéaire, ça progresse en palier, en fait. Et donc, à un certain moment, vous allez vous sentir mieux, vous allez récupérer de l'énergie, et puis vous allez avoir une petite rechute, et puis de nouveau une montée d'énergie, et puis une petite rechute. Alors, le risque, évidemment, c'est que quand on a une remontée d'énergie, c'est croire qu'on en est sorti. Donc, il faut prendre absolument du temps pour se soigner. Il n'y a que le temps qui peut guérir les choses. Et voilà. Donc, moi, après le premier burn-out, j'étais arrêté du mois d'août à début janvier. J'ai changé d'horizon. Je suis allé m'occuper des activités au Maroc. Ça me faisait du bien parce que j'étais dans un contexte un peu moins stressant, sous le soleil quasiment permanent. Mais au fond, je n'avais pas réglé les problèmes. J'avais fait ce qu'on m'avait dit de faire, à savoir aller consulter un médecin, aller chez le psychologue. Et puis voilà. Mais est-ce que sur le fond, j'avais réglé les vrais problèmes? Non, je n'avais pas réglé les vrais problèmes. Qu'est-ce que J'étais tu entends par les toujours vrais problèmes? Les vrais problèmes sont de l'ordre, mais est-ce que je suis parce que je fais, ou est-ce que je suis parce que je suis également en termes de valeur?
Voilà, donc je n'avais pas travaillé sur mes valeurs, je n'avais pas été jusqu'au fond de la démarche. Et ayant retrouvé un minimum d'énergie, je m'étais remis au travail. Et puis, année après, enfin, semaine après semaine, mois après mois, année après année, alors qu'on connaît tous les mécanismes, eh bien, on passe le premier signaux indicateur, tiens, Régis, là, tu as l'air un peu fatigué. Oh, c'est pas grave, je vais passer au-dessus. Et puis, deuxième signaux indicateur, puis troisième signaux indicateur, on les connaît tous très bien, puis on les dépasse. Et puis, voilà, puis arrive un deuxième burn-out. Voilà, parce que, comme je l'écris sur mon blog, faire les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent, c'est proche de la folie. Je pense que c'est une citation d'Albert Einstein. Et donc, il ne faut pas simplement faire les choses parce qu'on nous a dit de les faire. Il faut réellement faire un travail sur soi, comprendre quelles sont nos valeurs, être en adéquation, nous remettre en question. Et voilà. Donc, j'ai fait un deuxième burn-out et on peut revenir en détail tout de suite après. Voilà. Donc, non, mais en tout cas, cette information-là, elle me semble capitale. Enfin, et c'est pour ça que je tenais à ce que tu puisses témoigner. Alors, non seulement pour ta casquette d'entrepreneur on le sait, hein, ça fait partie des populations qui sont les plus touchées aujourd'hui par le burn-out, mais aussi pour comprendre effectivement qu'il ne suffit pas, il ne s'agit pas de vivre un premier burn-out pour se dire, bon, ben voilà, ça y est, je sais ce que c'est et c'est terminé. Là où je suis tout à fait en face, c'est que il faut comprendre ce qui nous a amené à ça, parce que je dis souvent que le burn-out est une rencontre entre une personne et un contexte. Voilà. Tout à Et fait. il faut travailler éventuellement sur les deux, sur le contexte de l'entreprise, de son environnement de travail, de tout ça, mais il faut aussi travailler sur soi et comprendre ce qui nous a amené à aller droit dans le mur sans pouvoir s'arrêter. Donc, bon, en tout cas, tu viens de nous expliquer justement comment ça peut se passer et comment peut se produire une rechute. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui sont concernées aujourd'hui par le burn-out et qui ont peur de rechuter? Voilà, quels enseignements on peut retenir de ça ou tu peux retenir de ça? Alors la première chose que je conseillerais, en fait, que ce soit pour n'importe qui, hein, indépendant, salarié, ouvrier, comme je l'ai dit, même si c'est beaucoup plus difficile pour les patrons d'entreprise, mais on reviendra, il existe des solutions, il faut accepter. Il faut accepter son état et il n'y a pas 50 solutions. La première chose à faire, c'est se reposer. Faire des choses pour soi, recharger ses batteries. Et voilà, ça, ce sont les étapes indispensables. Après ça, faut changer sa méthode de travail. Il faut peut-être penser à une réorganisation de son travail, une réorganisation de son équipe, remettre les réelles valeurs au centre de la discussion, mettre l'humain au centre de la discussion. Et voilà, ça, ce sont des choses qui sont importantes à faire pour ne pas rechuter. Un conseil qui est primordial, c'est que tant que vous sentez que vous n'avez pas l'énergie, tant que vous sentez que vous avez l'irritabilité, tant que vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, attendez. Attendez, attendez. Ça nécessite. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Les contraintes financières pour se soigner sont énormes. Les consultations chez les psychiatres coûtent cher. Les psychologues coûtent cher. Les subventions ou les aides ne sont pas forcément toujours faciles, ni pour les salariés, ni pour les indépendants. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un peu de réserve de côté, mais nombre d'indépendants ne peuvent se soigner parce qu'ils n'ont pas de réserve et qu'ils n'ont pas pris leurs Ils n'ont pas le choix. précautions en termes d'assurance pour pouvoir se soigner. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même si c'est difficile financièrement, ça ne sert à rien de recommencer trop tôt. Tout simplement parce que si vous recommencez trop tôt, vous risquez justement de rentrer dans cet engrenage
mais en fait, vous n'avez pas fait le travail nécessaire sur ce qui est réellement important et vous motive pour travailler, que pour pouvoir continuer sainement. Voilà. Et donc, vous allez augmenter le risque de retomber. Donc, le burn-out n'est pas une progression linéaire, ça se fait en palier. Les montées d'énergie sont très positives et nous incitent à reprendre en se disant, ah, ça y est, je suis sorti, c'est derrière moi. Et puis, en fait, on se rend compte que quelques jours, quelques semaines après, il y a une baisse de régime, etc. Tant qu'il y a des baisses de régime à intervalles qui, je l'espère, deviendra de plus en plus long pour disparaître complètement, ne recommencez pas. Prenez soin de vous, faites le travail sur vous. Je m'adresse à des personnes qui sont là présentes, qui m'écoutent, avec lesquelles j'ai déjà discuté. Ce n'est pas l'action d'aller voir un médecin qui va vous sortir du burn-out. C'est l'action que vous allez faire sur vous-même. Alors ça je risque peut-être de blesser et c'est peut-être facile pour moi qui suis maintenant en résilience, pas sorti d'affaires, mais en résilience, de parler de ça parce que je ne voyais aucune issue. Mais la problématique, elle était, c'était moi. D'accord? Je pouvais très bien dire non, tout en me respectant, en prenant en compte mon aspect empathique, la problématique, faire les choses correctement pour l'ensemble du personnel, des clients, de tout ce que vous voulez, mais en me respectant moi-même. La première des choses à faire, c'est se respecter soi-même avant de vouloir être empathique ou de sauver, sa boîte ou son personnel ou ce genre de choses. Un capitaine de bateau ne peut pas mener son bateau s'il est malade dans le fond de son lit, c'est pas tenir la barre. S'il n'a pas pris les démarches nécessaires que pour pouvoir avoir un second, pour pouvoir faire un travail collaboratif ou éventuellement un management participatif, il n'y a personne d'autre que lui qui peut tenir la barre. Et à ce moment-là, ce n'est pas une personne qui s'écroule. C'est une C'est personne, tout un capitaine, un bateau et toute l'entreprise. oui. Donc, il est important de prendre temps. Il existe des moyens d'assister et d'aider ces personnes pour justement qu'elles s'accompagnent, pour les décharger, pour faire de la délégation, pour faire de la prise de conscience, pour être en accord avec les valeurs. Voilà, ça, c'est la démarche que je souhaiterais faire. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Alors, je vois il y a quelques réactions hein, des personnes qui nous suivent également. Et je pense que voilà, c'est encore une fois ton témoignage est très important et fait du bien à entendre. Alors, pour qu'on reparte aussi sur quelque chose de positif, parce qu'aujourd'hui, voilà, tout ce travail, tu l'as fait sur toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, de ce que tu comptes faire dorénavant? Oui, c'est peut-être un peu prématuré. Je vais peut-être d'abord en fait mettre en exergue deux, trois petites choses. À vous tous qui êtes là derrière vos écrans, qui que vous soyez, que vous vous sentiez en burn-out, que vous vous sentiez fatigué, que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez conjoint de burn-out. De personnes qui souffrent de burn-out, que vous soyez enfant. Ça se soigne, on s'en sort. C'est dur, c'est pas facile, mais on s'en sort. Voilà. Alors, le burn-out, comme j'ai expliqué avant mon burn-out, j'étais au bout de l'élastique de ma vie, jusqu'au moment où l'élastique, il a craqué. Alors, je ne vous souhaite pas que l'élastique craque pour vous. Donc, faites les démarches nécessaires pour que ça ne se fasse pas. Écoutez votre corps. Pour vous donner un petit exemple avant de parler des projets, il y a un an et demi, je faisais 132 kilos. Donc, mois d'avril l'année passée, donc le deuxième burn-out, la rechute vertigineuse, plus profonde que la première, ça aussi, on peut en parler. Quand on rechute, c'est en général beaucoup plus profond. Donc, voilà. Et là, je suis vraiment passé par le chat de l'aiguille, dans tous les sens, du terme. Je suis passé par le petit trou. Je faisais 132 kilos. Il était impossible pour moi de faire mes lacets
sans être essoufflé et de devoir prendre 15 minutes pour récupérer mon souffle. Je ne veux pas me substituer à qui que ce soit. J'ai un vécu d'entrepreneur. Voilà, j'ai quelques conseils simplement à donner. Écoutez-vous, écoutez votre corps, prenez soin de vous. Voilà. Et ça, à un certain moment, ça a fait déclic chez moi. Donc, j'ai changé complètement mon alimentation. Je pesais 132 kilos. J'en fais aujourd'hui 96 pour les Français qui me suivent. J'en fais 96 pour les Belges qui me suivent. Tout cela, je l'ai fait de ma propre initiative. Je ne suis pas allé voir de médecin ou quoi ni qu'est-ce. Je me suis documenté, je l'ai fait de manière personnelle. Mais qu'est-ce que je me sens mieux? Qu'est-ce que je me sens mieux? Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Alors, je me suis remis au sport. Je me suis acheté une paire de baskets. J'ai été marcher. J'ai pris du temps pour moi. Et donc, on s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Ça prend du temps. Je ne suis pas encore tout à fait sorti d'affaires, mais ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai plein de projets. Et justement, on parle des projets. Donc, depuis quelques mois, j'ai osé et je vous invite tous à le faire parce qu'on est beaucoup à souffrir et peu en parler. J'ai fait un coming out. Voilà. Donc, j'ai fait un coming out. Je suis un entrepreneur. J'ai fait deux burn-out et je ne souhaite plus retomber. Voilà. Donc, je souhaite partager mon expérience avec toutes les personnes. On s'en sort, on s'en sent beaucoup mieux. Donc, j'écris, je noircis quelques pages. J'espère peut-être un jour sortir un petit ouvrage. En attendant, je fais part de mon expérience sur un blog qui s'appelle, qu'on pourra partager en lien du broadcast tout à l'heure. Donc unautremoi.org. Alors un autre moi, ça veut tout dire justement. Ça veut dire un autre moi physiquement, parce que quand on a perdu 35 kilos, ben physiquement on n'est plus le même. Un autre moi mentalement, parce que même si je n'ai plus les capacités managériales de faire autant de choses simultanées que ce que je pouvais en faire précédemment, je suis un autre moi parce que maintenant je me respecte. Et ça, c'est primordial, c'est primordial. Donc, j'ai mis en place ce blog, j'essaye d'y écrire quand je procrastine pas trop, un petit article de temps en temps, mais comme j'ai vu passer dans les commentaires, la procrastination, c'est un bon début de sortie. Voilà, et puis surtout, je me dis qu'il faut pouvoir partager cette information, il faut pouvoir en discuter. Et puis, je suis un amoureux du Maroc, j'y ai travaillé pendant de nombreuses années. Depuis que j'ai fait mon coming out et que je partage cette information, je suis confronté à pas mal de messages personnels qui me demandent, mais que me conseillez-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà. Donc, la première chose, si vous vous sentez pas bien, que vous êtes au début, allez voir votre médecin traitant, il vous orientera vers quelqu'un, un psychiatre ou un psychologue. Prenez les traitements qu'il vous donne, essayez de suivre, et puis après, prenez soin de vous, écoutez votre corps. Et dans cette réflexion, je me suis dit, moi, c'est la marche qui m'a sauvé. Je dis bien sauvé parce que c'est réellement le terme. Donc, je me suis acheté une paire de baskets, je suis allé marcher, et c'est le contact avec la nature et les choses simples qui m'ont fait énormément de bien. J'ai écrit d'ailleurs un article sur le sujet dans le blog. Donc, voilà. Et donc, je souhaiterais à terme pouvoir tenir un établissement où je pourrais faire des activités d'échange avec d'autres personnes qui souffrent du burn-out. Je suis particulièrement attaché avec le Maroc, donc ça se ferait au Maroc, en contact avec la nature, un ressourcement, un retour vers ce que l'on est et pas vers ce que l'on fait. Voilà. Alors, on est tous des patrons d'entreprise, il faut qu'on fasse tel chiffre d'affaires pour avoir telle voiture et faire telle représentation. On s'en fout tout ça. Vous mettez tous vos avoirs personnels de côté. Qui êtes-vous? Alors, pour le savoir, se plonger dans un environnement en contact avec la nature et vous retrouver avec vous-même. Voilà. Ça serait le projet. On en parlera peut-être un peu plus tard lorsque ça sera plus avancé. C'est un beau projet. En tout cas, moi, je le soutiendrai autant que je pourrai.
parce que je trouve que c'est une très belle idée et sans doute quelque chose de très nécessaire. Et Voilà. Je vais encore dire quelque chose, Catherine, je te coupe. Ça va encore être dur à entendre pour certaines personnes, mais le burn-out est une chance. Le burn-out nous arrive parce que nous sommes des personnes qui avons la capacité de déplacer des montagnes. Vous allez dire que c'est con ce que je veux dire, mais le burn-out n'arrive pas aux personnes qui ne le méritent pas. Le burn-out est un cadeau, mais on s'en rend pas compte. Il faut parfois 6 mois, 1 an, etc. Mais le burn-out vous transforme dans votre manière de voir les choses. Vous n'êtes plus celui qui fait les choses, vous retrouvez votre moi intérieur, vous êtes un autre moi tout en vous respectant, vous êtes votre moi intérieur et pas celui qu'on a essayé de vous faire porter pendant des années. Le burn-out est une chance. Et voilà, j'invite beaucoup toutes les personnes qui se poseraient la question, qui pourraient avoir des doutes par rapport à ça. C'est une formidable opportunité de prendre soin de vous, d'être en accord avec vous-même, d'être en synchro avec vos ondes et votre énergie. Voilà. Merci beaucoup, Régis, vraiment pour tout ce que tu viens de dire. Moi, je suis à 100% d'accord avec toi et c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Effectivement, ça peut être compliqué à voir aujourd'hui pour ceux qui sont, on va dire, en bas de la courbe là. Mais c'est aussi une opportunité de remettre les compteurs à zéro, de se reposer les bonnes questions et véritablement se poser la question de ce qu'on a envie de faire et de qui on est vraiment. Exactement, c'est la problématique de la reconversion professionnelle, Exactement. c'est la problématique de la reconversion de vie tout court, tout simplement. Quelle est la valeur que l'on donne à la vie? Mais ça, c'est plus ton domaine, Catherine, et je te laisserai parler là-dessus. Juste encore quelques anecdotes. Je souhaiterais en fait inviter toutes les personnes qui se sentent pas bien à poser des questions à leur entourage, à poser des questions à leur médecin. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Moi, j'étais tellement honteux de ce qui m'arrivait, d'être chuté, etc., que je n'osais en parler à personne. Ne restez pas tout seul. Parlez-en. Il y a des groupes, il y a des forums. Vous pouvez discuter de manière anonyme. Vous vous créez un compte Facebook, fatigué ou n'importe quoi. Vous publiez, vous allez voir les informations. Il y a des solutions. Parfois, c'est difficile de faire la démarche de prendre un contact chez un téléphone ou un psychiatre. Je me souviens être resté avec le numéro de téléphone du psychiatre pendant presque une journée avant de lui téléphoner. Ne restez pas tout seul. Il existe des moyens de communication. Il existe des moyens de vous renseigner. Ceux qui ont envie de poser des questions, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre. Merci. Tout à fait. Effectivement, c'est vrai, je rebondis sur les groupes. Alors, c'est vrai qu'il y a notamment moi un groupe que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est là où je crois que je t'ai découvert, Régis, c'est le groupe de parole sur le burn-out de Anne Evrard, Tout à qui fait. existe en Belgique et en France et qui vit beaucoup et qui permet de partager. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, j'en parle aussi puisqu'il existe aussi le groupe Rebondir après un burn-out. Auquel tu appartiens aussi, tu es membre aussi, et c'est des groupes qui sont privés, qui permettent de ne pas que vos amis, vos connaissances, etc., ne voient pas ce que vous publiez, et qui permet voilà d'échanger avec des personnes qui peuvent être dans la même situation que vous et de se sentir moins seul. Donc en tout cas, Régis, un grand, grand, grand merci Je à vois toi. encore quelques beaux Oui. commentaires. Donc J'ai pris conscience de ce que je ne veux plus. Ça, c'est primordial. Si vous avez pris conscience de ce que vous voulez plus, vous êtes sur le bon déjà. chemin. Voilà. Il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est indispensable. À un certain moment, vous vous trouvez à l'intersection de deux voies. Posez-vous, attendez à cette intersection. Ne prenez pas le chemin le plus facile. Ce n'est peut-être pas forcément le plus celui qui vous convient le Celui qu'il mieux. vous faut. Voilà. Faut sortir de sa zone de confort et souvent c'est plus long, mais c'est pour un beaucoup mieux par la suite.
Qu'est-ce que je Margot vois aussi d'autre? qui dit je On en ressens, ressent voilà ce que je. grandi, oui. Ouais. Ça, c'est, Ah, si voilà. vous avez des questions encore, peut-être qu'on peut encore inviter nos auditeurs, enfin, je ne sais pas comment on dit, nos Facebookers à poser leurs questions. Brigitte qui dit je n'en suis pas encore là, mais je crois aussi que c'est une chance de pouvoir se repositionner dans la vie. C'est ce qu'on se disait. Margot qui dit je veux vivre en harmonie avec moi-même et mes proches. Voilà. Donc tout ça permet effectivement des prises de conscience et c'est ce qui permet effectivement aujourd'hui de dire, alors après coup, une fois le plus dur passé, que c'est quelque chose qui peut changer notre vie et dans le bon sens du terme. Oui, encore une petite anecdote, Catherine. Je vais faire juste un petit aparté sur la partie conjoint, qui pour moi est relativement importante. C'est pas facile de vivre à quelqu'un qui vit du burn-out. La personne vous aime, vous souffrez de burn-out et vous ne l'écoutez pas. Donc, lors de mon deuxième burn-out, j'étais en couple avec ma compagne, qui s'appelle également Catherine, que je salue. Il s'est avéré que lorsque j'ai touché le fond, ben, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas faciles, etc., parce que je ne voyais pas de solution, on ne voit pas de solution, on est enfermé, on est dans un mur qui fait 50 centimètres et on ne voit rien, on prend des décisions stupides. Donc on s'est séparés quelques mois. Je veux juste dire aux personnes qui accompagne ces personnes en souffrance, prenez le temps, aidez la personne de votre mieux, et vous, Bernice, écoutez votre compagnon, etc. On s'en sort. Moi, après quelques mois de séparation, mais j'ai eu le plaisir de retrouver ma compagne, et c'est quelque chose qui est magique, magnifique. Donc, tout est possible. Tout est possible, j'ai un leitmotiv, et si vous devez retenir quelque chose de ce Facebook Live, c'est croyez en vous, croyez en l'amour des personnes qui vous veulent du bien, vos proches, vos enfants, vos parents, votre conjoint, croyez en la résilience et surtout croyez au tout est possible. Voilà, ça c'est mon résumé. Si vous devez retenir quelque chose de ça, on sort du burn-out et appliquez juste le petit leitmotiv et ça va aller. Voilà. Merci beaucoup Régis pour tout ce témoignage et tous ces bons conseils. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez nombreux, donc je vois qu'il y a des merci. Je vous dis donc à une prochaine fois. On aura le plaisir de retrouver donc Régis sur son site, hein, notremoi.org, mais effectivement on mettra le lien sous le live Facebook. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour un prochain Facebook Live avec un autre invité sur un autre sujet. Voilà, merci à vous tous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Régis. Merci beaucoup Catherine, au revoir mes amis français et puis au revoir les amis belges. Voilà, au plaisir de vous revoir. Et puis Catherine, comme je te l'ai dit en aparté, j'espère que dans quelques mois, lorsque l'on aura avancé chacun de notre côté, je pourrai également à mon tour t'inviter pour t'interviewer, savoir exactement quel est ton vécu, etc. Je pense que ça serait une bonne chose pour nos amis belges également d'avoir un avis extérieur et de savoir exactement comment ça se passe en France, parce que je pense qu'on est quand même un tout petit peu mieux loti que chez vous. Exactement. Voilà. Ouais, je pense. Vous êtes un peu plus en avance que nous. Merci beaucoup. En tout cas, ce sera avec Avec plaisir. plaisir, vraiment avec grand plaisir. À bientôt tout le monde. Au revoir.